God. And so time moves faster and faster. What more do you want to wake you up? This is the last age. 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 Le prophète sallam a annoncé que viendra une époque où pratiquer sa religion sera aussi difficile que de prendre une braise dans sa main. Et le prophète sallam a dit que cette religion a commencé, elle était étrange et elle retournera étrange. Celui qui voudra pratiquer son islam sera perçu comme quelqu'un de marginal. Et vous êtes tous conscients que nous vivons entièrement cette époque où rester ferme dans l'islam est quelque chose de très difficile. Où rester ferme dans l'islam est quelque chose de très difficile. To the world something called globalization. So the whole world becomes connected. And all those who are embraced with that global embrace will progressively depart from the Sunnah of Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam and will lose their faith. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la difficulté que nous avons à pratiquer notre dîn, Allah subhanahu wa ta'ala a promis une récompense immense, une récompense énorme, inégalée, comme personne n'a jamais eu dans l'histoire de l'islam, pour cette communauté qui vivra toutes ces fitnas et les autres qu'on va citer dans un instant, mais qui malgré cela restera accrochée à son dîn. Et notre prophète alayhi salatu wasalam a dit « Touba lil ghuraba » Bonne nouvelle à ces gens étranges. Et ces gens étranges ont été commentés par ces personnes qui, dans ces moments de difficulté, resteront accrochés au Coran et resteront accrochés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.